Rien n'est plus pathétique qu'un peuple qui fuit. La panique résignée de ceux qui abandonnent tout pour sauver leur vie. Entre le 10 mai et le 17 juin de l'année 40, devant l'avancée des troupes allemandes, un fleuve humain de 8 millions de civils a pris la route de l'exode. Ils vont vers où ? Ils ne savent pas. Ils vont s'arrêter où ? Ils ne savent pas. Que vont-ils manger ? Ils ne savent pas. Ils marchent. Ils marchent. Sur des routes dévastées, ils croisent des soldats sans armes ni ceinturons, la tête basse, le dernier vestige de l'armée française.